dans les crins somptueux du rideau de colline où le vent baigne encore les grands buis cuirassés du sommeil à l'été. Orgueilleuse et câline, riche de souvenirs, fière de ton passé, ton vieux château cathare offre un nouveau visage. Il se veut accueillant et plein de bonhomie. Il a depuis longtemps modifié les usages, car ceux qui s'approchent d'eux sont plus des ennemis. Terme, label, ce petit chant d'amour. Terme, rebelle, au bruit du temps qui court. C'est parti du paysage. Oui, mais la peinture, c'est complètement. Ah oui, mais non. C'est collé. Tu m'as gratté. Ah non, non, non. C'est parce qu'il y avait vu. J'ai pris... Oh, il y avait des petites pétouilles. Ah, hein. Il y avait des plates. Des vieux sympathiques. Exactement. Mais les jeunes déjà relèvent le défi à l'expo de peinture. Bernard souvent explique ses tableaux de plombier et son inspiration. Michel ne tarit pas des loges sur Monique. On entend les guitares au comble d'émotion. Terme, label, ce petit chant d'amour. Terme. Alors, il semblerait qu'une signature ait été grattée. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Une signature, ou peut-être pas une signature, mais... On a souvent cru qu'il y avait une signature, oui. Et d'après moi, il y a une retouche qui a été faite sur la poignée de l'épée, mais c'est... Ah oui, c'est la poignée de l'épée. Je revois la poignée, on voit très bien, oui, de côté, là-dessous, on aperçoit les stries de la poignée. Voilà, quand on détaille, effectivement, à première vue, c'est, ça semble être une signature effacée, heurtée, et puis... C'est le manche de l'épée. Au pays des corbières, où la lumière colle à la peau des couleurs et des cieux éclaircis. Terme, label, ce petit chant d'amour. Terme, rebelle, au bruit du temps qui court. Terme, label, si le temps est trop court.